Salut les gars, j'ai décidé d'analyser la Liga espagnole pour ce week-end et de sélectionner un pari pour vous. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le pari que j'ai sélectionné pour vous et surtout pourquoi, quelle est l'analyse derrière ça. Alors avant de vous expliquer ce pari, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche des notifications. C'est parti. Donc, le match que j'ai choisi, okay, qui me semble le plus intéressant, c'est Atlético Madrid contre l'Athletic Bilbao. Ce match a lieu ce samedi à 16h15. D'abord, jetons un œil sur le classement. L'Atlético Madrid, tout le monde le sait, pour l'instant, est en tête du championnat. C'est assez impressionnant. 12 victoires, 2 matchs nuls, une seule défaite sur 15 matchs. À domicile, c'est encore plus impressionnant. 7 victoires sur 8 matchs. Un match nul et invaincu. Au niveau de l'Athletic Bilbao, au classement général, Bilbao est 9e. Mais si je regarde le classement extérieur, c'est beaucoup plus médiocre, car Bilbao est avant-dernier du championnat. C'est en fait une seule victoire, 3 matchs nuls, 5 défaites. Alors je vais tout de suite vous dire le pari qui me semble le plus intéressant dans ce match, c'est la victoire sèche de l'Atlético Madrid. Victoire sèche. Vous voyez que la cote est aux alentours, ben je vous montrerai après la cote. Donc pour le classement, c'est fait pour les confrontations directes. Alors on peut voir que c'est clairement, les face-à-face, c'est clairement l'avantage de l'Atlético Madrid. Sur les 11 derniers matchs qui se jouaient à Madrid, évidemment, hein, sur les 11 derniers matchs, eh bien c'est 10 victoires de l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético Bilbao a énormément de mal à se déplacer à Madrid. Alors, qui dit Atlético Madrid dit Suárez, c'est le meilleur buteur. Pour l'instant, on voit qu'il n'est pas absent, il n'est pas renseigné absent ou blessé. Donc, à ce niveau-là, ça rassure. Au niveau de la cote, comme je le disais, elle est à 1,59. Ça peut sembler comme ça, dans l'absolu, faible pour une victoire sèche. Mais je trouve qu'au vu des statistiques de l'Atlético Madrid, ça reste une cote intéressante. D'ailleurs, l'algorithme de Google Profits renseigne une value sur cette cote. Ici, si je regarde le détail des matchs de l'Atlético Madrid à domicile, bah comme on l'a vu déjà sur Flashcore, hein, un seul match nul, le reste que des victoires. Là, c'est une série de 6 victoires à domicile, très très fort. Donc, c'est déjà une équipe forte en Liga cette saison, mais à domicile, c'est très très impressionnant. Athletic Club de l'autre côté, Bilbao. Ben voilà, c'est vraiment plus médiocre, hein. Ok, une seule victoire et encore, c'était en début de saison. Depuis, c'est soit des défaites, pas mal de défaites, soit des matchs nuls. Des matchs nuls, pardon. Alors ici, voilà, je vais juste m'assurer en fait que le meilleur buteur était bien présent. Comme je veux que l'Atlético Madrid gagne, c'est important d'avoir son meilleur buteur. Suárez est en tout cas pas renseigné absent ou blessé. Au niveau des cotes sur les bookmakers.com, la moyenne, donc c'est bien .com, la moyenne est de 1,57. Sur Unibet.com, on a 1,60. William Hill, 1,57. Qu'est-ce qu'on a encore comme. Ouais, Bet365, 1,55. Okay, donc une moyenne de 1,57. Moi, je place mes paris sur Orbitix, hein, qui est le clone de Betfair. Et là, la cote est encore meilleure, vu qu'elle est de 1,61 avant commission. Bah, après commission, ça fait quelque chose comme 1,59. Donc ça reste au-dessus de la moyenne, au-dessus de la moyenne des bookmakers.com. Si vous voulez une cote plus élevée, en vous disant, voilà, 1,61 pour moi, c'est pas assez.
Je vous conseille d'attendre 15 minutes quand le match commence. Alors, il faudra placer votre pari non pas en pré-match, mais en in-play. Attendez 15 minutes. La cote sera, à mon avis, après 15 minutes, elle sera entre 1,70 et 1,80. À voir, hein, suivant l'intensité du match. Et en plus, vous aurez la confirmation après un quart d'heure que l'Atlético Madrid pousse pour inscrire un but. Quand je dis un quart d'heure, rien ne vous empêche d'attendre 20 minutes, 25 minutes. Okay? Si vous regardez le match, vous pouvez vous permettre d'attendre et de voir à quel moment placer ce pari. Le prix à payer, c'est quoi? C'est que si un but tombe trop tôt, avant que vous ne placiez votre pari, évidemment, vous ne pourrez plus rentrer dans ce pari. Tant que l'Atlético Madrid mène au score, en tout cas. Au niveau de la mise, maximum 2% de votre bankroll. Je dis bien maximum, donc c'est entre 0 et 2%. Alors, je répète, le match a lieu en fait demain, samedi, 16h15. Atlético Madrid, Athletic Bilbao. Victoire sèche de l'Atlético Madrid à une cote de 1,61 sur Orbit X. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, eh bien, laissez-moi un petit pouce. Partagez avec vos amis. Okay. Aux amis à qui vous voulez du bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.